Garcia vous l'a déjà fait découvrir au salon de Moscou. La voici maintenant au Mondial de l'Auto, cette nouvelle Mazda 6. Alors vous pouvez voir, elle a une ligne particulièrement dynamique, particulièrement élégante, on trouve. Elle la doit au designer Akira Tamatani. Et elle n'est pas seulement belle, elle est aussi fonctionnelle puisqu'elle a un 6 de 0,26. Alors cette originalité extérieure, malheureusement, on ne la retrouve pas à l'intérieur. C'est un peu fade, c'est un peu convenu. Dommage. Cette nouvelle génération de Mazda 6 bénéficie du programme SkyActiv qui porte sur l'ensemble de la voiture. On a par exemple une caisse qui fait une cinquantaine de kilos de moins, mais qui est 30% plus rigide. Et ça continue aussi sous le capot avec deux diesels offerts, un 2,2 litres de 150 chevaux et de 175 chevaux, et deux moteurs essence, un 2 litres de 165 chevaux et un 2,5 litres de 192 chevaux. En plus, il y a un système de récupération d'énergie au freinage qui s'appelle le High Loop et un système Start and Stop qui s'appelle le High Stop.